Eh bien, salut tout le monde, c'est Ezor. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une tyran Coliseum. Et j'aime bien la réaction. Ezor, nique sa mère. Oh putain, ça c'est pas mal. Ça me fait plaisir de. Je filme en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je regarde juste si j'enregistre bien. Oui, j'enregistre bien. C'est parfait. En avant, Guingamp, c'est parti. Donc, durant ce Coliseum, je suis accompagné donc de Foufou Star, 2004 en vie, 10p à 6pm. Moi, 12p à 6pm, 2715 en vie, de Yokai Killer, Kra niveau 155, 2434 en vie, 9p à 6pm. Ouais, voilà, c'est ça qu'il a. Warum, l'équipe adverse, yop, niveau 137. Alors, au niveau de ses PA, il a 2519 en vie. 06800. Ensuite. Alors, attendez. J'attends qu'il finisse de jouer pour donner ses PA. Et il a 11 PA, 6 PM. Ensuite, il y a Rokoshu, niveau 161. SRAM 2586 en 8, 9 PA, 5 PM, 7000. Et il y a Vieux Kenus. Inutroph, niveau 164, 9 PA, 6 PM, 2508 en vie. Et ça me fait plaisir de voir des abonnés. Il y a rien de mieux. Le SRAM, alors je vais mettre un peu quand même le canal combat, voilà. Donc l'inutroph qui vient de se mettre 69 en chance. Je suis un peu comme ce qu'ils disent pour voir un petit peu ce qui va se passer, parce que bon, c'est le principal. Roy Destroy, je vais accepter l'invitation, je vais me remettre comme ça. Vraiment sympa les couleurs de la des roulivants. Voilà, maîtrise du marteau. Et je vais me casser. Voilà, je reste là. Je boosterai plus tard. Donc, oui, j'ai envie de vous montrer un petit truc quand même. Parce que je remercie à Dark Heure de m'avoir prêté quelques équipements qui risquent de vous plaire. Tintin! Voilà un petit peu ce qu'il m'a prêté, donc je le remercie quand même d'avance, parce que voilà, c'est quand même assez sympa de sa part, pour voir un petit peu ce que voudrait le Zobal, vraiment optimisé à fond, malgré qu'il soit pas parachuté non plus partout, qu'il ait pas non plus des équipements de fou. Donc il y a un Dofus Tutu plus 20, un Dofus Emerald plus 95 vitalité, un Dofus Oak plus 1 PA, Dofus Coat 49 sagesse, Dofus Pourpre 50 puissance et un Dofus Bulbis plus 1 PM. Donc je mettrai la chaîne de Dark Earth dans la description pour m'avoir prêté ses équipements, parce que je trouve que c'est vraiment sympa de sa part. Et après, ben toujours pareil, mes équipements de base, hein, le marteau de la Terps Exopea. Donc c'est vrai que j'ai 2715 en vie, ce qui est pas mal. Enfin, 2600, presque 3000 avec le bouclier. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super. Donc là, c'est bon, il m'a repéré le SRAM parce qu'il m'a fait, je sais plus quoi, repérage. Je sais plus comment ça s'appelle ce sort. Repérage, c'est ça, coup critique, donc il a pu me trouver. Mais bon, c'est pas bien grave. Là, c'est au tour du SRAM de poser des pièges. Donc ça c'est parfait. Donc l'Enutroph a invoqué un sac animé qui a plus que 289 en vie. Là il vient de se donner 4 PM. Donc là il a 10 PM. Super. Parfait. Ouais. Donc là il attaque à la pelle massacrante. Moi j'essaie de le mettre avec... ouais, il aurait peut-être pas dû faire ça. Et j'allais au corps à corps en espérant faire des coups critiques. Allez, un petit CC. Parfait ça! Super, moins 1007. Ça, c'était assez sympa. Il me reste plus que 803 points de vie. Donc voilà, c'est vrai que ça a bien tapé, je suis assez content. Donc après, ça va être au tour du Yokai Killer de jouer. Oui, donc c'est bien de le finir, hein. Si tu peux le finir, Yokai Killer, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Nickel, moins 518 et moins 285. Bien joué à toi. Alors attendez, ça marche pas, je peux pas descendre, voilà, super.
Donc normalement ça enregistre. Oui, tout se passe bien, excusez-moi, mais bon, je veux être sûr vraiment que ça enregistre parce que... Donc là, il manque plus que le SRAM et le YOP dans la partie. Donc le SRAM qui a 2300 points de vie. Non, le YOP, pardon, mais pourquoi j'ai l'impression que c'est un YOP tout à l'heure. Donc le YOP là qui va se donner 5 PA, comme ça il me fait peut-être deux coups de dague ou un coup de ma de hache. De hache moi, de d'épée. D'accord. Ok, donc là il m'a fait du épée du destin moins 319. Donc ça c'est parfait parce que j'avais mes boucliers. Donc pour ça c'est nickel. Et après ça va être au tour de l'autre SRAM de jouer. Enfin là ça va être à mon tour plutôt de jouer. Et c'est vrai que le SRAM, j'aimerais vraiment qu'il soit comme ça, le Zobal, avec le but bis et tout, un PM, franchement je trouve que ça serait vraiment super. Alors là. Allez, encore un petit CC. Ah non, malheureusement, pas de CC cette fois-ci. Il reste plus que 980 de en vie. Et là, ils viennent tous sur moi là. Ils sont full. Ah ouais, il me reste plus beaucoup de vie. Le Yop risque de me finir malheureusement. Ah non, c'est bon. C'est parfait. Le Kra va le finir. Nickel. Et là, il va encore enlever de la vie à Rokushu. Donc là, ça va être au tour du SRAM qui a 8 PM qui va pouvoir faire deux attaques mortelles. Donc là, je crois que c'est mon deuxième Coliseum d'aujourd'hui. Ouais, c'est mon deuxième. Bon, ben voilà, je vais pouvoir le finir. Bien joué. Bon, ben je remercie encore pour vos messages hein, sur ma vidéo spéciale 10 000 abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. 6 minutes de combat, ça a été très rapide, on les a vite démontés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore de votre soutien chaque jour, de vos messages que vous m'avez mis pour ma vidéo 10 000 abonnés, que j'ai vu qu'il y avait bien plus de 200 j'aime. Franchement, rien de meilleur. Merci encore et bien sûr, on se retrouve demain pour une vidéo sur Minecraft si j'ai le temps de faire la vidéo. Normalement, oui. Et pourquoi pas faire un deuxième Coliseum? Pourquoi pas en faire un deuxième? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer et à commenter la vidéo. Et pour ma part, on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, bye bye, ciao ciao. Et j'ai oublié, je suis désolé. Je vous souhaite aussi à tous hein, une bonne année. Un petit peu en avance parce que ce soir, je ne serai pas là. Je serai à une soirée, bien sûr, hein, pour fêter ça, c'est normal, avec mon cousin. Qui vous passe aussi une très bonne, heureuse et fin d'année. J'espère ben, que durant l'année 2013, ben, vos vœux pourront se réaliser, que vous réussirez vos études. Hein, tout ce que vous voulez entreprendre ben, sera réussi. Je vous le souhaite de tout cœur. Encore merci à tous. J'espère que l'année 2013 sera encore mieux que l'année 2012, qui est déjà énorme. Pour moi, déjà, d'avoir atteint ces 10 000 abonnés, où j'atteins bientôt les 11 000. Je suis à 10 906, donc vraiment, merci encore à tous. Bonne année à tous et joyeuses fêtes, pardon, et prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao.